Si j'étais à la tête de la guilde Noob, on n'aurait peut-être pas accompli tous ces exploits, mais moi, je vous aurais pas abandonné. Bon, ça va, te fatigue pas. On va faire une requête MJ, on va signaler que le chef de guilde a déserté. Ben moi, je m'opposerai pas à ta nomination. Eh bien, moi, oui. Toi ? Eh oui, je suis de retour. Quoi ? Mais toi aussi t'as créé un nouveau perso ? Non mais ça va pas ! J'avais amassé beaucoup trop d'items et de crédits pour me permettre de tout perdre. Et je peux savoir comment t'as réussi à récupérer ton perso ? Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bénéficié d'un petit coup de pouce du destin. J'ai même négocié quelques extras au passage. Je suis maintenant niveau 20, avec un nouveau petit stuff. Ah bah oui, tout le monde sait que Judge Jell, c'est le genre de mec comme ça, là, à changer d'avis, hein ? Dis plutôt que t'allais magouiller avec Tenshiroku le hacker. Qu'est-ce que j'entends ? Qui a osé pactiser avec Tenshiroku le hacker ? C'est elle, là ! C'est cette grognasse ! T'as déjà fait ta requête MJ, toi ? T'es rapide, hein ? Mais attends, je te reconnais ? Tu es le joueur que j'ai croisé lorsque j'étais poursuivi par Xalaxat, le sans-âme. Quoi, mais tu connais Maître Zen ? Maître Zen ? Le fondateur de la guilde Noob ? Moi, je l'ai croisé juste comme ça, je savais pas que c'était lui. Maître du jeu ! Supprime-la une bonne fois pour toutes ! Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait ! Elle a dû utiliser un virus ou une autre merde numérique pour se reconnecter ! Mais c'est qu'il commence à nous les briser, le petit pimousse à la framboise ! Tu vas la lâcher, ma gaga, oui ? Non, mais vous avez entendu, là ? Non, mais elle m'a insulté ! Bannissez-la du jeu aussi ! Petit pimousse à la framboise ne constitue pas une cible passible de sanctions aux yeux de la charte ! Si vous l'aviez lu, eh bien vous le sauriez ! Ok, c'est bon. Mais au moins, bannissez cette invocatrice, qu'on en finisse ! Non ! L'invocatrice Gaïa a été réhabilitée de manière officielle ! Quoi ? Mais elle s'associe avec un hacker ! L'affaire est close ! Prenez-en acte ! Comment elle fait ? Comment elle fait pour nous gruger comme ça à chaque fois ? Elle paye pas ses cotisations ! Elle se fait rusher ! Elle annule un bâtissement à vie ! C'est quoi son truc à la fin ? T'as vu, Omégazelle, elle est forte, ma gaga ! Elle trouve toujours le moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Maître du jeu, j'ai une autre quête. En tant que fondateur, je veux récupérer la guilde Noob. Leur chef est parti sans nommer sa succession. Comment ? Quiz ? Un joueur a osé renier ses responsabilités ? Il s'agit là d'un acte gravissime qui mérite sanction. Si votre allégation s'avère exacte, il sera destitué. Le poste vacant sera soumis à un vote immédiat. Qui se porte candidat ? Oh, moi ! La guilde Noob est à moi ! Si je ne fais rien, Maître Zen va récupérer la guilde Noob. Mais d'un autre côté, je n'ai aucune envie de me présenter. Je déteste la responsabilité. Et si je me présentais ? Ah non, y a pas moyen. Je dois rester concentré sur mon objectif ultime, la guilde de justice. Je préfère laisser les corvées administratives et la gestion des incapables aux autres. Et tant pis si c'est arrêt de Maître Zen qui s'y colle. Puisque personne ne souhaite s'opposer au mage Maître Zen, je déclare officiellement... Je m'y oppose ! La place de chef de la guilde Noob n'est pas à pourvoir. Artéfion ! Eh bien, on peut dire que tu tombes à pic. Ainsi soit-il. Mon rôle est donc terminé en ces lieux. Adieu, et que le respect de la charte soit votre seule et unique préoccupation en ce bas monde. Mais qu'est-ce que tu fous connecté, toi ? Comment tu t'es échappé ? Quoi ? Mais comment tu sais que j'ai été enlevé ? J'en ai parlé à personne ? Me dis pas que c'était toi ! Oh putain, mais c'est pas vrai ! J'étais à deux doigts, bordel ! De quoi vous parlez, là ? J'étais enlevé et séquestré pendant une semaine par ce fou furieux ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mon plan était pourtant parfait. Je me retire une fois encore. Mais retenez bien une chose ! La guilde Noob est à moi ! À moi, vous comprenez ? Et je la récupérerai, coûte que coûte ! Ouais, bah c'est ça ! Ben maintenant, tu dégages, tête de fion ! Non, mais tu sais à qui tu parles, hein ? Tu sais à qui tu parles ? Ouais, à une pauvre merde qui veut se la jouer chef de guilde ! Alors si ta mère, elle t'a pas assez donné de torgnole, ça peut se régler, maintenant ! Non, mais attends, je suis un fou ! Un malade ! Je me suis échappé de prison pour la récupérer, la guilde ! Tu sais pas de quoi je suis capable ! Ah, oh, mais tu me saoules ! Bon débarras ! Tu étais très courageux de t'opposer à ton ravisseur pour sauver la guilde, hein ? Ouais, Maître Zen, ça allait. Le plus dur dans l'histoire, ça a été de sortir de ma cachette et d'affronter le MJ. Tu sais, le mec qui a brisé ma vie en supprimant mon beau perso niveau 100. Mais là, ça va. Les copains ? Sparamoule, t'es revenu !
Maintenant que vous êtes tous là, vous êtes sûr que je peux plus revenir vraiment dans la guilde? Mais comment ça se fait que tu n'es plus dans la guilde, Sparadra? Mais non, c'est l'autre barge de MJ qui l'a viré à cause de son bâton de cheaté. Oui, il a été super méchant avec moi. Et j'ai dû recommencer un personnage niveau 1, comme toi, Arthéon. Même qu'après, Omega Zell, il m'a dit que je remettrais plus jamais les pieds dans la guilde. Et là, j'étais un peu triste quand même. Quoi? Il t'a vraiment dit ça? Non, mais c'est pas grave, ça. Ce qui est vraiment important, c'est que tu m'expliques comment tu vas revenir avec nous maintenant que t'es dans la grande guilde de justice. Mais t'es dans la guilde de justice, toi? Bah ouais, c'est mon frère qui m'a fait rentrer. Attends, là. T'es en train de me dire que Histos, donc le meilleur seigneur d'Horizon 1.1, c'est ton frère? Bah oui, lol. T'es trop bête, Omega Zell. C'est que maintenant que tu t'en rends compte. Histos, ton frère? Non mais vous en avez encore beaucoup des comme ça à m'apprendre ou... Bah en fait, j'ai quitté la guilde de justice parce qu'ils étaient pas rigolos, hein. Ils étaient toujours super sérieux et ils voulaient pas que j'aille chercher mes smourbifs. Quoi? T'as quitté la guilde de justice? Mais c'est fou! Eh ben, heureusement que j'étais absent qu'une semaine. Bon, avant que vous me racontiez la suite et ce qui s'est passé pendant mon absence, je tenais quand même à vous féliciter. Mais pourquoi ça? A priori, je vois que vous avez trouvé un moyen de vous débarrasser du bâton de cheaté. Bon, dans tous les cas, il va falloir rusher Sparadrap pour le retrouver à nouveau. Mais non, c'est pas la peine! Regardez, il était déjà dans mon inventaire quand j'ai créé mon nouveau perso! J'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front. Ma joue et mon menton, mon perso immobile m'attend depuis longtemps. Mais pourquoi? Pourquoi ça a pas marché? Ça m'énerve. Ok, très bien. Je peux pas les briser dans le jeu. Eh ben je vais les retrouver IRL, tous, et je vais leur montrer de quoi Maître Zell l'extolar est capable.